Pourquoi est-ce que le mouvement laïque a voulu alerter l'opinion publique en disant que ces propositions de loi constituaient des menaces sur l'accès à l'avortement en Belgique? D'une part, parce que on le sait et c'est démontré, quand on donne un statut au fœtus ou à l'embryon, c'est la meilleure manière pour contourner l'accès à l'avortement. Il est impensable, évidemment, de donner à la fois un statut à un embryon ou à un fœtus et de permettre de faire un avortement dans le même temps.